Ça t'énerve. Ça t'énerve. Tout était préparé, le champagne était au frais, les chants sous bonne protection, la musique et les pompons. Ça t'énerve? Oui, ça t'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Anthony Joubert. Un tu peux te rappeler qu'on sera toujours les premiers. Ça t'énerve. Tout ce que je peux dire, mes petits garçons, ça t'énerve. C'est que Coman, elle est très bonne, sa formation. Ça t'énerve. Paris est magique, mais pas le pied d'Mbappé. Ça t'énerve. Tu pensais faire la fête toute la nuit, va te coucher. Chale sur les Champs-Élysées, y'a plein de gens dégoûtés. Le ballon il touche pas, y'a Paris qui marque pas. Mais ça, ça t'énerve. Cette fois c'est la bonne, y'a Coman qui met sa pomme. Je dis, j'peux rigoler? Non, c'est pas terminé. Ça s'énerve. Mon Dieu, ça s'énerve. J'ai vu le mercato l'année dernière. Dernier carré, j'aurais pas joué ma mère. À 23h, t'étais un peu vénère. Y'a eu qu'une fête ce soir en France et sur la Canebière. Tous ceux qui disaient on est les boss, ça t'énerve. Aujourd'hui c'est fini, t'es tombé sur un petit os. Ça t'énerve. Tous ceux qui rêvaient de champagne et rosé, ça t'énerve. Pour oublier que Neymar et Thiago n'ont pas de pied. Ça t'énerve. Tous ces Allemands qui font la fête, qui ont gagné. Tout ça pour être second. Mais bon, le Bayern était bon. Ça t'énerve. Paris a jamais les perdants comme chaque année. Ça t'énerve. Et le comble c'est belle, prendre un but par un Français. Ça t'énerve. L'OM comme quoi est beaucoup plus fort, je t'explique. Ça t'énerve. Parce qu'on aura toujours plus de cœur, même avec moins de fric. Et ça, ça t'énerve. Si ça t'a plu, je te remercie. Alors n'hésite pas à activer la cloche pour justement connaître toutes mes nouvelles vidéos en avant-première. Et si ça t'a pas plu, c'est que du sport. Merde, au bout d'un moment. Oh. Alors on va me dire, oui, il faut défendre les clubs français. Ben, je te signale qu'il y a autant de Français au Bayern qu'au PSG, d'accord? Alors n'hésite pas à t'abonner aussi sur mes pages Facebook, Instagram, Snap, tout ce qui s'ensuit. Et n'hésite pas à venir voir mon spectacle aussi, même si tu es fan du PSG. Comme ça, tu pourras me dire ce que t'en penses de mes chansons. À mon avis, si tu viens, c'est que tu as un second degré, quoi qu'il arrive. Et je voulais dire aussi, si j'ai fait une bise à David Jouter, c'est parce qu'il est avec moi 24h sur 24. Alors quoi qu'il arrive, si un jour il m'arrive quelque chose, eh ben il aura aussi. Cela dit, lui, il est très con. J'ai pas besoin de me justifier. En tout cas, je te dis bis à toi. Prends soin de toi. Ciao.